18h-20h. Romain. C'est Dirty Swift au platine comme tous les soirs, vous le savez, à 18h avec un mix spécial Beyoncé en direct sur Move, en direct sur le live vidéo move.fr. Connectez-vous, parce que déjà c'était le Woman Wednesday, donc oui, ça, oui, ça va, d'accord. Mais pourquoi Beyoncé? Eh ben c'était pour faire plaisir à Ayana Kamura, pour bien l'accueillir, parce qu'on sait qu'elle kiffe, voilà, tout simplement. Ouais, bah merci. Hein. Ça te fait plaisir, ouais, comme grave, cadeau? J'ai kiffé. Hein. Bon, bah tant mieux, ça m'a rien coûté, comme ça c'est bien. Ah, tu me suis une pince, hein. Les cadeaux qui me coûtent rien, c'est mes préférés, hein, ah, tu sais, Ayana, c'est vrai. Bon, on va jouer un peu. Reverse Move. Hey, joue au Reverse Move. L'album Journal Intime est dans les bacs, il est dispo partout, sur toutes les plateformes, on va en parler. On a une heure pour en parler, j'ai plein de questions, les auditeurs en ont plein aussi sur Snapchat Move Radio, sur le 01 45 24 20 20. Donc on va parler de l'album, on va parler des projets, on va parler de ta vie, on va parler de tout. Ouais. De la mode aussi, tu vas nous dire comment s'habille Dirty Swift, il faut lui dire, il faut lui faire passer le message. Mais ça, pas tout de suite, ça risquerait de lui faire mal d'entrer. Mais pour l'instant, on a un jeu, c'est le Reverse. En fait, on met un morceau à l'envers et il faut reconnaître ce que c'est, tout simplement, pour choper des cadeaux dedans. On mettra l'album dédicacé. D'accord. Ça, ouais, c'est bon. Et puis ensuite, il y a des casques JBL, des enceintes JBL, il y a des cadeaux à choper. Écoutez bien, facile ce soir. C'est... Ah bah oui, hein, quand on n'est pas prévenu. Ah bah voilà, ah bah, c'est pas nous. C'est pas nous. Tu sais, je vais te dire, je te jure que c'est vrai. Les patrons, souvent on donne la réponse parce qu'on balance le truc, tu vois. Mm-mm. Et à chaque fois on se fait fumer par les patrons. Et là ça me fait plaisir, c'est pas nous. Grave. Ayana Kamura, c'est quoi à ton avis le Reverse? Bah comportement. Ah, c'est pas moi qui l'ai dit. Reverse Move. T'as le titre et l'artiste? T'as le titre et l'artiste? Appelle au 01 45 24 20 20. 01 45 24 20 20. Move! Aya, merci d'être là. En tout cas, Malia, premier album, ça y est, il est là. Dispo, ouais. Journal intime, partout. Ah, un de tes sons préférés, je suis sûr, de l'album, non? On va en parler. Et ben, on va en parler, évidemment. Ça fait quoi? Parce que j'imagine que tu l'as rêvé, l'album, tu l'as pensé depuis que t'es toute petite. Et bah là, il est là, tu sais, je sais pas, ça fait pas un peu un truc bizarre, de un truc fini, tu vois, première étape que t'as attendu, et voilà, elle est faite, elle est, on ouais, y est. Ouais, enfin, au début, je m'en rendais même pas compte, en fait, tu vois. Ouais. Quand l'album il est sorti, tu reçois des messages, des félicitations, tu te dis, ah, il est vraiment sorti, moi j'ai. Ouais, t'es dans le truc, en ouais, fait, t'es et dans tu le truc, te. En fait, je dis, ah, c'est bon, mais en fait, c'est des sons que t'as déjà entendus depuis 6 mois, tu les as fait, tu as préparé l'album, ça fait un an. Et plus pour certains, en plus, ouais, on en plus. Parlera tout à l'heure, ouais. Mais il y a des titres même qui ont 3-4 ans, j'ai ouais. vu ça, t'avais écrit à l'époque du collège et ça tout. Ça fait un moment déjà. Donc, ouais, toi, au final, tu les connais moi, par cœur. Au final, ouais, je les connais par cœur et je suis contente que mes auditeurs ils puissent l'écouter, enfin qu'ils puissent partager enfin ce que j'ai fait. C'est pour ça le titre Journal Intime, parce que parce que finalement ça fait quoi, ça regroupe 5 ans de ta vie peut-être, ouais, c'est ça, c'est le titre, c'est bien de là, on va dire la fin de l'adolescence et ma vie de femme qui commence, et qui commence, bah, comme qui commence et qui a commencé avec la petite aussi, on en parlera, ouais, forcément. Mais et ben en tout cas, Journal Intime, il est dans les bacs. Il y a un des gros titres, forcément, c'est Comportement, qu'on fera tout à l'heure en live, hein. D'ailleurs, restez là et connectez-vous, live vidéo aussi move.fr. Comportement, on parlera du titre parce qu'il y a une histoire aussi, mais juste avant, je vais te faire écouter un truc. Nous, on a quelque chose dans l'émission qui s'appelle l'appel punchline. En gros, c'est très simple, on prend des punchlines d'artistes, des extraits de musique, d'accord ? On passe un coup de fil et la personne discute en fait avec les extraits de musique. Avec les paroles. Et toi, on l'a fait avec Comportement, écoute. T'as voulu dire à un mec son comportement, ça va pas. Allô ? Comportement, bah ouais. Comment ça, comportement ? J'ai dit comportement, bah ouais. Ok, j'ai compris, mais comment ça, comportement? Comportement, bah ouais. Tu te fous de ma gueule? Bah ouais. T'es qui? Tu veux quoi? Mais pourquoi t'es fâché? Eh, comment ça, arrête de te foutre de ma gueule, là, t'es qui? J'ai dit comportement, bah ouais. Écoute-moi bien, tu vas commencer à te calmer, toi, parce que c'est toi qui m'appelles et tu me suis fait attention à mon comportement, t'es qui? Mais pourquoi t'es fâché? Non, c'est toi, t'es en train de me vénère aussi. J'ai dit comportement, bah ouais. Est-ce que t'as que ça à foutre d'appeler les gens et dire fais attention à ton comportement? Bah ouais. Oh là là, sur la vie de ma mère. Arrête. Trop parler peut tuer. D'accord, bah tu vas voir qui c'est qui va mourir, tu vas voir. Maintenant, je vais te passer une adresse, tu vas venir, et quand tu vas venir, je vais te niquer ta mère. Oh. Ouais, bah profite bien, profite. Tu vas voir. Comportement, bah ouais. Voilà.
C'est ça tous les soirs, les gars se vénèrent contre des musiques. Mais normal, voilà, ils se rendent pas compte. Comportement évidemment. Et puis l'appel punchline sur move.fr à retrouver. Comportement, extrait du premier album d'Aya Nakamura, Journal Intime. On va se faire un son que t'avais que t'as fait avec Fally Ipupa, Bad Boy, qu'on balance ici. Comment ça s'est passé la rencontre? Tu le connaissais avant de le son? Pas du tout. C'est vrai, pas du tout. Enfin, tu le connaissais artistiquement, enfin, t'écoutais, voilà. Ouais, j'écoutais, mais perso, non. Sons, mais personnellement, pas du tout. Et comment ça s'est fait la rencontre? Cool. Ouais, simplement, super cool, en studio. Super gentil, pas du tout, parce qu'il était, il était même pas en France quand j'ai enregistré. D'accord, ok. C'est le patron de Warner qui a proposé ça parce qu'il trouvait que. On fait une connexion entre vous deux parce que ça allait matcher, quoi. Connexion, voilà. On s'est rencontrés le jour du clip. Super gentil, super naturel et tout. On s'appelle souvent, mais super gentil. Et du coup, maintenant, c'est souvent ça, tu connais pas les gens, et une fois que tu les connais, après tu les vois tout le temps. Ouais, tu voilà, c'est bizarre, mais c'est voilà, cool. C'est comme ça. Bah, c'est non, très il bien. Est super gentil. Aya Nakamura qui est avec nous jusqu'à 19h. J'aime bien quand tu fais un truc sur les. On s'amuse à faire ça depuis 3 jours, je te jure. Les vibes. Et le Aya Nakamura. Super mal. Je trouve que. Quoi? C'est gênant, Malaise TV. D'accord, alors stop. Alors, attendez, j'aime bien. Ok. J'aime bien. Ok. Salma, fais-le. On fait Aya Nakamura. Il y a un truc, il y a un truc un peu. Et toi, fais-le pour voir. Vas-y, vas-y. Aya Nakamura. Ah, je préfère celui-là. Hein, je veux. Ah ah attends, t'as peut-être pas entendu celui de Swift. Vas-y. Ah, Aya Nakamura. C'est l'intention qui compte. Ouais, c'est ça. Aya Nakamura. Aya Nakamura. Merci d'être avec nous. L'album Journal Intime, il est partout, il est dispo. Dedans, il y a pas mal de sons. Il y a même quasiment tous les sons au final, même ceux qui ont des années maintenant. Ouais, il y a tous les sons que j'ai déjà fait. Ouais, ça a démarré avec lequel? Karma. Karma, que t'avais posté en fait sur Facebook. Ouais, sur Facebook et sur YouTube. Et sur YouTube. Pourquoi tu. Bah voilà, pourquoi tu l'as posté? Enfin. Pourquoi? Qu'est-ce que. À un moment, c'est quoi le truc où tu te dis, ah, je vais le faire? Bah, j'ai commencé. Enfin, je devais avoir 18 ans. Ouais. Je voulais commencer à faire de la musique. J'étais dans la chambre avec Christopher Genda. On était chez lui. Il a fait une instru. Mm-hmm. Et du coup, on a posé et on s'est lancé. On s'est dit pourquoi pas. Ouais. Autant que ça sorte de la chambre voilà. Au final, tout simplement. Ouais, non, c'est ça. Autant qu'on sache la vie des gens. Tu vois. Ouais, ouais, carrément. Comme ça, je sais si c'est moi qui m'en mentis. Tu fantasmes dans ta tête. Et voilà, j'ai vu que les gens, ils ont kiffé. Et j'ai continué. Très bien. Et ensuite, ça continue. Il y a Brisé qui sort. Il y a Brisé. Après, il y a. Carton. Ouais, et du coup, après Love d'un Voyou, le feat oui, avec Fababy. Oui, et puis le feat avec Fababy qui l'a fait exploser encore plus. Ouais. Et après, j'ai arrêté pendant un moment. Ouais. Parce qu'il fallait que j'arrête. Et j'ai enchaîné avec l'album. Enfin, j'ai sorti quelques morceaux, mais j'ai enchaîné à faire l'album. Quoi. Ouais, là, après, tu t'es concentré sur l'album. L'album qui est sorti aujourd'hui. T'avais d'autres sons que t'as pas mis dedans? Non. T'as tout mis, tout ce que. Parce que c'est vrai, en même temps, je dis ça, il y a 19 titres, hein, c'est pas mal. Ouais, non, mais je dis ça, non, mais c'est vrai. Tu t'es pas fait chier, hein, quand même. Ouais, on va bosser. Non, j'avoue, 19 titres, déjà, l'album est énorme. Et très long, enfin, long en termes de. La tracklist est longue, il y a beaucoup de feats aussi, on va en parler. Swift, oui. Ah, moi, j'avais une question parce que je sais que t'as joué en première partie de Davido. C'était au stade Modibo Keita à Bamako. Ouais. Stade que je connais, hein, parce que j'ai fait Cathy Coco dans Jakarta. Swift, il pose que des questions pour se la raconter à chaque fois. Non, c'est incroyable. Tout le temps. C'est dingue, c'est incroyable. Alors, j'étais parti voir Maître Gims là-bas. Très bien. Stade. C'est pas donc vrai. Voilà, je voulais savoir, ça fait quoi, justement, toi qui est né à Bamako, Mali, de rejouer devant. À la maison, quoi. Et puis devant des milliers et milliers. Ouais, le stade est balèze, quoi. C'est un stade, quoi. C'est choquant et impressionnant. C'est vrai. Ouais, parce que ça, t'as pas l'habitude de voir autant de personnes. C'est le premier concert en dehors de la France. Ouais. Et puis c'est chez toi. Ouais, en plus c'est chez toi, c'est-à-dire qu'il y a, y a toute la famille. Il y a la famille, ouais, tu vois. qui connaissait ton buzz et tout ça. Ouais, hein, ouais, qui connaissent, mais les Maliens ne connaissent pas forcément. Peut-être qu'ils connaissent ta musique, mais ils ne connaissent pas toi personnellement, ouais, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que c'est énorme en fait quand t'entends les gens chanter ta musique avec toi, c'est magnifique. Et c'est là où la famille elle valide, c'est sur ce concert-là. C'était validé, mais là c'est encore plus validé. Avec l'album. Ouais. Parce qu'à la base, tu voulais être dans la mode, tu veux être modéliste, enfin voilà, la base de la base. La base je voulais être modéliste. Voilà. Après j'ai lâché l'affaire, j'ai me suis concentré sur la musique. Sauf que chanteuse c'est pas un métier. Si, c'est un métier. C'est ce que maman disait. Oh, je vais pas dire ça, mais mes parents animateurs radio m'ont dit casse-toi de là, va en droit s'il te plaît, va faire avocat là. Oh, bah, les pauvres maintenant, ils ont compris. Hein. Ouais. Mais à la base c'est ça. Et donc là forcément de te voir devant 30-50 000 personnes dans le stade.
Et forcément, ça. Ces personnes-là chantaient ma musique en chœur avec moi. Ouais. Bah là, ça l'a surpris, ça lui a prouvé en fait que j'avais raison, tu vois. Ok. C'est pourtant, bien. C'est une famille de chanteurs. Oui, de griots, ouais. Ma mère, c'est une griotte. Ouais. Mon père, il est pas. Oui, non, alors excuse-moi. On a eu un débat tout à l'heure avec Swift. C'est toi qui la regarde. Oui, oui, ouais. Salma, elle a fumé Swift du regard. Non, mais il me regarde, il me fait. J'ai dit, sa maman est griotte. Et lui, il me dit, on n'est pas griotte, on dit griot. Il a même dit, griotte, c'est des cerises. Oui, voilà, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais quel mytho ce gars. Je dis les choses. Schizo, mytho, il a tous les défauts. Toi, plus jamais tu viens dans cette émission. Toi, je t'invite plus. Salma, t'avais une question. Moi, j'avais une question sur internet. Bon, bah, t'es chanteuse, t'as plein de fans, etc. Tu dois avoir plein de commentaires. Tu dois avoir une petite communauté de haters, comme tout le monde. Ouais. Et je me demande, c'est quel commentaire que tu lis qui te touche quand négativement. Tu négativement. Est-ce que ça passe maintenant au-dessus ou. Ah, il y en a qui te piquent encore un peu. Il y en a une remarque qui te. Ou est-ce que tu lis pas, peut-être, tu te dis, ouais, je m'en fous. Franchement, au début, ça me touchait. C'était vraiment les commentaires. C'était vraiment au début de J'ai mal en fait, la première chanson, c'était les commentaires du genre ah non, j'aime pas, c'est pas chanté, regarde et tout, ah non, je sais pas quoi. Ouais, tu vois. Trucs gratos ouais, en fait. Ouais, les trucs bidons en fait. Ouais, ouais. Mais aujourd'hui, franchement, il n'y a pas vraiment de commentaires qui me font mal. Hein, parce qu'il y en a tellement de bons souvent. Ouais. Non, mais en fait, pour moi, il n'y a rien d'objectif en fait. Ouais, c'est gratos en fait. Ouais. Ouais, limite, une critique négative mais constructive qui peut faire logique, avancer. Ouais. Pourquoi pas. Maintenant, dire ouais, c'est une amerne. Ouais, ouais. Ça, de toute façon, on les arrêtera jamais. Ça me fera pas avancer en fait. Non, ça c'est clair. Et puis eux non plus, tu sais quoi. Qui reste, ça les fait pas avancer non plus. Oui, c'est sûr. Souvent, c'est ça. Mais sur YouTube, sur l'équipe, tu regardes encore les. Bah, je regarde toujours. Ouais, c'est vrai. Ah, moi, je suis une cyber, je regarde tout. Ouais, on sait. Que Nakamura pour Hiro Nakamura voilà. Pour les pouvoirs, justement, on va te donner des pouvoirs et tu vas nous dire si tu les prends ou si tu les prends pas. Ce sera juste après Ornella la frappe. Yana Kamura est avec nous jusqu'à 19h. Restez là sur Move. Hey, fais pas ta pub. Comme tous les soirs, vous le savez, il y a le fait pas ta pub tous les soirs à la tienne. Tous les le relou. Bah, je suis relou. Ouais, bah oui, bah Yana Kamura aujourd'hui, elle fait partie de l'équipe. C'est vrai. Bah oui, c'est vrai. Mmh. Mais j'ai du mal à me dire que c'est notre invitée parce qu'elle est là, elle est avec nous, elle fait pas ta pub avec nous. Et ben bah, même si ça nous fait plaisir de t'avoir, si on veut revenir demain aussi, après-demain, hein. Tout ça, il y a pas de problème. Ouais, hein. Tous les jours je fais ma pub. Hein. Bon bah très bien, bah voilà. De toute façon, c'est enregistré tout ça, hein. on garde évidemment sous serment tout ça. C'est... le fait pas ta pub, Yana Kamura. Le concept il est simple, chaque soir on accueille quelqu'un qui fait de la musique, qui fait du rap, qui fait peut-être qui est humoriste aussi, qui a un talent. Ah c'est à tout. C'est y a tout. Ouvert à tout le monde et on lui donne une minute pour nous convaincre de faire sa promo. Évidemment comme tous les soirs on dit pas le blast ce soir. C'est un rappeur qui est là du côté de Montfermeil dans le 93. Salut, comment vas-tu? Hey, ça va ou quoi? Eh ben ça va, bienvenue à toi. Ce soir on est 4, tu l'as compris, donc on votera à 4, évidemment avec Aya Nakamura qui est avec nous jusqu'à 19h. Est-ce que toi tu es prêt? Je suis ready. Eh ben écoute ton instru aussi, bon courage mon pote, t'as une minute. Bien vu. Petit étampe, elle croit que je suis Pharrell. On fait pas la queue, mais suisse-moi, c'est pareil. On sent dans les stages, je fais des trucs parallèles. Je mets la pubi au fond du gosier. Je mets pas la forme, je ne vais pas t'épouser. La bitch est wild, ouais, elle est venue sous ses datis. Ça, c'est le cadet de mes soucis. Gros, j'ai envie tout foutre en l'air. Parer loin d'ici sans leur faire à l'envers. Pour voir si j'y suis, je veux plus de mes faux frères. Ma raison décide comme un rage menteur. Pas les 100 disciples censés l'aider. Je suis focus sur le son, je pense à cette été. J'écoute des CD, toutes ces tracks pétées. Si je bouge la tête, je suis sous PLVD. Eh ouais, tu le sens, je suis puissant. Je te fais l'amour en lisant mot passant. Ouais, je suis disant d'être les flots à licence, je veux faire des thunes et ça en sédissant. Ne sois pas médisant, tu finis médusé. Pas médisant pour finir au musée. Le bonheur, c'est assez, mais qu'il en soit ainsi. Je compte mes heures et passer, j'ai cramé tes possibles. Je connais pas mes classiques, mais j'ai juste d'en faire un. Tu me dis bravo, l'artiste sert même pas la main. Ouais, je suis antipathique, ton avis, j'en fais rien. Totalement lunatique, tu me verras pas demain. Ouais, j'ai chopé le ticket. Dors pas la nuit, je les sors appliquer. Des faits sans gravité, des faits sont validés. Tu l'as sans gravité, sa mère l'humanité, sa mère l'humanité. Je suis sur la défense. Mais c'est terminé, ça fait une minute. Et c'est maintenant qu'on va voter, évidemment, Dirty Swift. Je vais dire oui, parce que franchement, le gars kick, bonne parole, mais un peu... Bon, on avait une invitée quand même aujourd'hui. Attends, quoi changement de personnalité. Le gars, il va dire un peu trop vulgaire, c'est ça que t'allais dire là. Toi, Dirty Swift, tu dis ça. T'as pas de face, mon gars. Non, parce que d'habitude on n'a pas de meuf dans les. Non, mais c'est ça, Salma elle est toute seule aujourd'hui, je sais pas ce qui lui arrive, il y a Yana Kamura, elle se dit ça, ouais, c'est je suis bon. Chaude. Ok, bon, okay, c'est oui. Okay. Non, il y a deux camps. C'est oui pour Dirty Swift, Salma. Moi je dis oui. Oui aussi.
Aya Nakamura. Ah, moi j'ai kiffé, hein. T'as kiffé, hein. Ah, si, si. Ça kick, et moi ça m'a fait rire. Il y a 2-3 punch-up, franchement. Bah oui. Lisant Maupassant, quoi. Et... bah, je vais essayer ce soir, je te le dis, Maupassant. Quel livre de Maupassant exactement de... Évidemment, c'est gagné, bravo. Tu t'appelles Red, comme la couleur. Et bah, écoute, on va mettre tout ce que tu fais sur le Snapchat Move Radio, sur Twitter et sur la page de l'émission sur move.fr, mon pote. Bravo à toi, en tout cas. Énervé, merci bien. À vous. Eh ben merci, salut mon pote, bonne continuation. 17h20. Romain. Snap and Mix. Comme promis, Aya Nakamura, les pouvoirs. On va parler de pouvoirs parce que Nakamura, parce que t'es fan de la série Heroes. Heroes. Et donc Hiro Nakamura. Aya Nakamura. Et eh ben voilà, tout simplement. c'est Sopra aussi qui est fan de. Ouais, j'ai parlé d'Hiro aussi. Et bah, dans un son à lui. Carole, la réalisatrice, non, depuis tout à l'heure, on dit un son, elle le dégaine. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais incroyable. Doit être surpayé aujourd'hui. je vais te donner des pouvoirs, tu me dis si tu les prends ou pas, d'accord ? D'accord. On est parti. Tu préfères pouvoir changer d'habit en illimité juste en claquant des doigts tous les habits que tu veux, mais t'es toujours en claquettes chaussettes tout le temps. C'est le seul truc qui ne bouge pas, ça. Mais tous les autres habits, tu claques des doigts, ça bouge, hein. Tu prends ce que tu veux, mais claquettes chaussettes, ça bouge pas. Ah, c'est un pouvoir de merde, hein. J'avais pas dit que c'était des bons pouvoirs, hein. Ah non, je prends pas. Tu prends pas. Tu peux devenir invisible quand tu veux, mais pendant que t'es invisible, t'entends tout le temps du Vianney ou du Frérot de la Vega. C'est-à-dire que tout le temps, t'as de la musique qui te suit, c'est du Frérot de la Vega. Mais les gens, ils entendent pas. Ah non, y'a que toi, mais c'est que pour tes oreilles. Hein, c'est... Ah ouais, je prends ce que tu veux. Ah bah, d'accord, très bien. Tu peux lire dans les pensées, mais que des gens qui t'aiment pas. Ah, je peux prendre. C'est vrai ? Ah là là. Voilà, je prends. C'est vrai ? Ouais. Ah ouais. Bon, moi, je prends pas ça. Bah, au moins, tu sais que direct. La personne... Ouais, bah non. Bah, je préfère mais pas je prends savoir. En direct. Bah, tu sais que si la personne, elle est bonne ou pas avec toi. Ah ouais, mais je préfère pas ça. Tu sais, ma meuf me trompe, je préfère pas savoir, moi. Bah, si, c'est si, bien. C'est vrai, il pense vraiment. Hein. Non. Non, mais je sais qu'elle me trompe, mais je préfère pas savoir. Ok. Tu peux voler, mais quand tu veux t'envoler, tu dois crier Charal. C'est chelou, mais c'est comme ça, c'est un pouvoir. Mais ah tu peux non, voler non, après. Non, je le prends pas. Non. Sérieux ? Comme Hiro, tu peux voyager dans le temps, mais si tu commences à chantonner une chanson, n'importe laquelle, genre tu commences à chantonner, tu restes bloqué dans l'époque où t'es. Ah non, je le prends pas. C'est dangereux. Ouais. C'est dangereux. Tu vois à travers les vêtements, ça marche quand tu veux, c'est-à-dire que tu regardes derrière les vêtements. Par contre, toutes les personnes au-dessus de 75 ans, t'es obligé de les voir à chaque fois nues. Voilà, c'est comme ça. Ah non, ça m'intéresse non, pas. Non, ça, non. Les gens sont moches tout nus, ça dépend. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est... Pourquoi tu me regardes en disant ça ? Mais il est en train de parler du coup. C'est pas grave, je vais faire genre je le prends bien. Et puis on va se retrouver après Jules pour parler de l'album, évidemment. Pour parler de l'album Journal Intime qui est partout, dispo. Allez le choper, il y a 19 titres. Reverse Move. Hey, joue au Reverse Move. Avec Aya Nakamura qui est avec nous jusqu'à 19h, c'est le moment de la réponse du Reverse. Tu te souviens, le morceau qu'on a mis à l'envers qui était très compliqué tout à l'heure, très dur à trouver. Tellement compliqué. Et ben voilà, il y a eu beaucoup de monde au 01 45 24 20 20 et c'est Amina qui est là du côté de Caen, 24 ans. Salut Amina. Salut l'équipe, salut Aya. Salut. Bienvenue Amina. Amina, tu Merci. Connais le principe, on va repasser le morceau, enfin l'extrait, tu nous donnes ta réponse après, ça marche ? Bien sûr, ça marche. Allez, écoute bien. C'était compliqué hein, ce soir, je me demande bien ce que c'est. Hein. Ah là là. Amina, surtout toi, Aya Nakamura, je sais pas. Bah ouais, j'ai dit comportement, bah ouais, de Aya, comportement. Ouais, mais t'as chanté et c'est pas dans la règle, je peux pas accepter. Ah, non, c'est vrai ça. Tu l'as c'est vrai. Amina, évidemment. Bien joué, non, mais elle non, elle a gagné. Le mec se prend vraiment pour un connard quand même. C'est-à-dire que elle a vite cerné ce personnage, bravo. C'est-à-dire c'est qu'en 40 minutes, elle a dit ok, lui c'est un connard, elle c'est la fille bien mais qui se fait maltraiter par les deux gros, et puis lui, je vais rien à dire. Elle a rien à dire. Non, j'ai rien à dire pour l'instant. Bon, lui il est allé au Mali se faire raconter. Ouais, ça va, c'est bon, on connaît. Amina, c'est gagné, bravo, tu repars avec l'album évidemment, Journal Intime d'Aya Nakamura. Dédicacé. Et puis on. Ah merci. Est-ce que tu veux lui poser une question, Amina ? Oui, je vais lui poser une question. Déjà, je vais lui dire les jaloux, tu t'en fous, t'es pas à la hauteur pour rien. Et puis, je voulais te demander. Mais non, mais j'ai écouté, les jaloux, ils servent à rien. C'est génial. Merci. Je voulais juste savoir si t'allais faire un concert sur quand. Si c'est prévu ou tu l'as. Ah, en les fait. Concerts. Ah, les concerts, c'est pas encore. Ça se prépare en fait. Ça se prépare tranquillement. C'est en pourparlers, quoi. Voilà, c'est ça. Bah non, mais parce que ça se prépare sur scène, oui. C'est
Même chose, tu, voilà, il faut préparer la scène. Non, c'est pas un showcase. Mais en tout cas, t'inquiète pas, hein, je suis sûr. Ouais. Hey, tu suis Aya sur Snap et sur Insta et sur Facebook, et sur oui, bon, ouais. Oui, bah ça va. Elle est cyber, elle aussi. Et je pense que Aya, elle le fera savoir. T'inquiète pas. Ouais. Et y a si pas elle, de et elle passera sûrement à Caen. Merci Amina, tu reviens quand tu veux. Merci à vous. Bisous, salut Amina. 17h20. Snap and Mix. Aya Nakamura, on va reparler de cet album Journal Intime qui est dans les bacs. Swift, t'avais une question. Moi, c'était par rapport à Oumou Sangaré. Je pense que là, t'as rendu beaucoup de gens jaloux de l'avoir dans ton clip. Ah ouais, carrément. Ah oui, bah oui, c'est quand même, c'est quand même c'est une figure. Une personnalité. Donc, en plus, on voit, vous êtes un peu copine, tout ça. Mmh. Dans le clip, ouais. Donc, bah, comment s'est passée la rencontre J'avais enregistré le son, ça faisait déjà un moment. Ouais. J'ai sorti le son. Sur les trucs digitaux, etc. Alors, Oumou Sangaré, qui est une chanteuse, on va peut-être le dire, parce que peut-être il y en a beaucoup qui ne savent pas, voilà, qui est une artiste malienne, qui a une cinquantaine d'années. Et en préparant l'émission, je suis allé voir 2-3 concerts. C'est-à-dire que la meuf, elle a 50 ans, elle en a 18 sur scène. C'est ouf. C'est abusé, hein. Non, mais moi, je suis choqué, en fait. Je regarde. Mais même, elle fait jeune. Non, mais c'est ça. Et puis même, la dégage, pêche. La pêche, tout. Tu vois, voilà. Et c'est vrai que toi, tu étais plutôt. Voilà, c'est une artiste que j'imagine t'as admirée pendant très longtemps. Et alors, ma jeunesse. Comment, ouais, c'est ce que Swift demandait, c'est vrai, comment la rencontre, quoi. Je l'ai rencontrée quand je suis partie à un concert à elle sur Paris. Mmh. On s'est vus pendant 5 minutes parce qu'elle devait chanter, elle devait monter sur scène juste après. Mmh. Du coup, elle m'a pris dans ses bras, elle était super contente. Elle me disait qu'elle aimait le son et tout. Dingue pour toi, ça. Ouais, mais grave. Ouais. Et moi, j'étais encore. Là, j'avais l'impression d'être une groupie, en fait, d'être une gamine de 15 ans, tu vois. Ouais. Non, mais là, je suis fan, mais en fait, tu vois, j'ai pas l'habitude de me mettre à cette place-là, tu vois. Ça veut dire que. En fait, quand tu rencontres des artistes que tu kiffes, en fait, tu vois en fait que t'es émue, t'es touchée, t'es contente. Et voilà, et du coup, elle est venue au clip, ça s'est super bien passé, elle est super gentille. Et vous donc, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'il va y avoir une collaboration bientôt ? Je sais pas. Je sais pas. Okay. Mais je sais pas. Je sais pas. Ah, je sais pas. Je peux pas dire trop. Ça veut dire oui. Je peux pas te dire. Ça veut dire ni oui ni non. Hein. Ça veut rien dire pour l'instant. Ça veut dire tu aimerais bien. Ouais, j'aime bien, c'est sûr. Bah oui. Et que si ça peut se faire prochainement, peut-être que ça peut se faire. Ouais. Il y a d'autres évidemment d'autres titres dans l'album et il y en a surtout que t'as écrit à l'école à l'époque du collège. Genre réponds, j'ai vu. Genre debout, réponds. Ouais. Donc ça fait quoi si tu ça savais. Fait 4-5 ans. Ouais voilà, ça fait quand même un moment quoi. C'est incroyable. Et aujourd'hui, voilà, Ils sont dans l'album. Et pour toi du coup c'est. Ils représentent encore quelque chose. Enfin. Ça représente une partie de ta vie, mais est-ce que tu dois avoir un décalage forcément par rapport au texte que tu as écrit quand on écrit à 16 ans et quand on écrit à 22 ans, il y a une différence. Bah tu te dis parce que en fait les paroles je les ai pas du tout modifiées. Ouais. Ça veut dire en fait je me dis ah ouais j'écrivais déjà comme ça. T'es pas repassé dessus. Non. Ah ouais d'accord. Pas du tout. Ok. Ouf. Ouais, c'est fort. Je me dis ah, j'écrivais déjà comme ça, je pensais déjà comme ça à cet âge-là en fait. Je me suis demandé à quoi je pensais quand j'ai écrit ces paroles, mais j'ai du mal à m'imaginer parce que ça fait quand même longtemps. Oui, bah ça fait un moment, carrément. Non, non, mais ça fait bizarre, ça fait trop bizarre. Il y a beaucoup de feats aussi sur l'album. Il y a MHD, il y a Dadju, il y a John P. Ah oui, c'est ça, John P. Alors, ce qu'on connaissait pas, parce qu'il y a l'artiste, il y a que Black, il y a Gradur aussi. John P. qu'on connaissait pas, c'est qui ? Bah, John P. c'est un nouveau rappeur, okay. Du 9-5, très bien. Qui est dans un label du label Power, mm-hmm. Dans lequel je suis. Et tu t'es dit grave. Et le mettre sur ton album. Ouais, on me l'a proposé, j'ai accepté. Et le son Soirée Parisienne, bien. En plus, très bon. On en parlait pendant les sons là. Mm. Voilà, très planant en fait. C'est assez par rapport aux autres titres, c'est ce qu'on disait. Ça plane. Ouais, ça plane. Il arrive un peu au milieu de l'album, ça fait un peu une pause, je trouve. Ouais, c'est une petite pause détente. Ouais, c'est ça. Avant de repartir avec l'artiste derrière, machin, tout ça, ouais, c'est bien. 17h20, Snap and Mix. Et c'est Aya Nakamura qui est avec nous jusqu'à 19h, exceptionnellement pour la sortie de l'album Journal Intime, dispo partout, allez le choper, il y a 19 titres dedans. Est-ce qu'il y a un titre comme ça qui a une belle histoire pour toi, un titre qui ressort plus que les autres dans les 19 ? Peut-être c'est les feats, tu vois, l'histoire en studio, comment ça s'est passé parce que j'imagine qu'il y a MHD, il y a Gradur, ils ont tous un peu la. Enfin, ils ont tous une façon différente de bosser. L'artiste, que Black, tout ça. Je sais pas, il y en a un qui t'a préféré bosser ou pas. Avec qui pas j'ai préféré, mais oh, vraiment direct, ça, c'est, ça a matché, quoi. Il y avait rien à faire, quoi. Qui ça a vraiment matché, c'était MHD. Avec MHD, ouais. Directement,
le feeling il est passé. En plus, il a écouté l'instru, il a kiffé. C'est genre, j'ai écrit de mon côté, il a écrit du sien. Et vous vous êtes réunis. Et directement, enfin, dans le même studio, j'ai posé, il a posé. Simple, ouais, facile simple. En fait, facile. C'est bien voilà. Comme ça, ouais, Salma. Ouais. Alors, moi j'avais une question, mais c'était plus côté mec. Ouais. Je sais qu'on a tout un compte sur les filles Insta qu'on va voir à chaque fois, c'est le mec parfait pour nous. Moi j'avoue, c'est Romain Move. Non, je rigole. Pas, t'auras pas d'augmentation. Ah hein, ça, merde, hein. Putain. Puis, en plus, comme... Non, non, mais en plus, comme tu me tailles depuis une heure parce que tu te sens forte, parce qu'il y a deux filles ce soir, non. Ok, ok, ça va. Bon, alors c'est lequel pour toi? Le compte Insta du gars. Ça ferait tellement rire que Salma se rende compte qu'elle est la seule à le faire. Je, non, pas du tout. Je connaissais pas ça. Moi. Ah bah voilà. Non, je crois que t'es la seule. Non, franchement, moi je suis plus la meuf à regarder genre les styles de meuf, les vêtements, etc. Mais les mecs, non. Bon. Alors les vêtements, parlons-en. Ouais. Dans cette équipe, Salma, comment elle est? Elle est simple, quoi, normal. Merci. C'est bah, pas faux. C'est, Swift, bah... Swift, il est comment? Merci. Bah, simple, il a un t-shirt normal. Noir, ouais, simple. Simple, hein. Simple, normal. Bah, bon. Tout le monde est simple, hein. Ouais. Ouais, je vois le genre. Ok, on sort pas de l'ordinaire. Okay. On n'est pas modéliste. On est monsieur tout le monde. Excuse-nous d'être pas Karl Lagerfeld. Voilà. Hein, excuse-nous. Ah non, mais le prenez pas mal. Non, mais je peux pas. Il n'y a pas de problème. Évidemment, Aya, il y a des questions pour les auditeurs sur Snapchat, sur le Snap Move Radio. Pour toi, le premier, c'est Frank. Là, écoute. Salut Aya, alors moi j'ai une question pour toi. Toi, qu'est-ce que t'écoutes comme son en ce moment? Ah, qu'est-ce que t'écoutes à part ton album? J'écoute Ghetto Phénomène, ouais. J'écoute Futur, Meskoff. Ok. J'écoute Rihanna, j'arrive pas à le dire en anglais, mais voilà. Polyop, polyop. Wild... Non, White House. Ouais, ah, voilà. Ça ah, okay. Wild Wolf. Tu sais jamais comment ouais, dire voilà. Ce truc. On s'est tellement moqué de moi en le disant, j'ai ouais, arrêté bah, de le dire, c'est bon. Tous les sons, en fait, ouais, j'écoute moment, de tout, en fait. Ouais. Ouais. Tous les sons du moment, j'écoute. Et autre que hip-hop aussi, rap, R&B. Autre que ça, je sais pas, n'importe quoi. Mais... Non. Michel Berger. Non. Que hip-hop. Ouais, voilà. Ok, très bien. Il y a une autre question d'Anaïs pour toi. Salut Aya. Je sais qu'il y a là des chanteurs qui font du cinéma. Est-ce que toi, ça te plairait de finir là-dedans? Et bisous, je suis trop fan de toi. Ah là là. Alors. Trop mignonne. Faire du cinéma, pourquoi pas? Dans le futur, hein, dans, vraiment. Ouais, pas, mais déjà, demain, je sais mais... pas si je suis une bonne comédienne, franchement. Mais c'est un truc qui peut t'attirer? Ouais, pourquoi pas. Ciné, série. Ouais, c'est... pourquoi pas. Hein. Ouais, pourquoi pas. En tout cas, pas fermé. Je dirais pas non. Je dirais pas non. Il y a un dernier de Jam aussi qui est là. Hey Chaya, ça va ou quoi? Il y a juste un truc que je veux savoir. Et je pense qu'il y a v'là les gars qui veulent le savoir aussi. Est-ce que t'as un mec? Ah, bah, il fallait bien qu'elle arrive. Ah, c'était sûr. Aya, tu croyais pas c'est que pas t'allais nous partir. Qui avons posé la question. Tu croyais pas que t'allais partir de ce studio sans avoir eu la question quand même. Enfin. Non, je suis célibataire. Oh. Ah ouais. Et alors, quel genre est-ce qu'avec un gros nez et des cheveux frisés, par exemple Ouais, non, vu le regard, je crois ouais. Que bon. Ah, ouais. C'est mort. Avec. Vraiment pas. Avec plus de cheveux, mais un regard charmeur et plutôt âgé comme personne. C'est-à-dire ouais. Qu'il va mourir vite, il y a un héritage, hein, il y a un truc à prendre. Ouais, c'est ouais. Un héritage, pourquoi pas. Mais ah. Il y a, mais y a 18 gosses. Ah. C'est vrai, c'est vrai. Ah non. Oh, y a et avec des cheveux et des seins, alors Enfin, excuse-moi, alors, quand tu dis, elle, quand tu dis non, avec les cheveux et des seins, il y a ouh. Pas les cheveux, je les vois, oui, mais c'est vrai, le reste, il a pas tort. Pas vu. Aya, sur ce fait qu'on porte, Aya, elle se dit, mais c'est quoi, je suis elle où, va, là. Son manager, elle va aller le voir derrière, elle fait plus jamais. Hein. Je veux dire, ces trois-là, ils sont, je veux plus les voir. On se fait comportement en live. Ouais. Merci beaucoup ouais. De nous faire ce plaisir. Comportement en live, branchez-vous live vidéo sur move.fr. C'est Aya Nakamura encore pendant 10 minutes avec nous, c'est cool. Comportement bas ouais, j'ai dit comportement bas ouais, je suis dans mon comportement bas ouais, j'ai dit comportement bas ouais, les mecs ont bombé les torses ah ouais, j'ai dit comportement bas ouais, les poches remplies de zéan ouais, j'ai dit comportement bas ouais, collé, ambiancé, ce soir ça va gérer, dans le carré, VIP, qui voudra me gérer, qui sera la plus fraîche, tu verras les plus belles fesses. Ouais, collé, ambiancé, ce soir ça va gérer. On me guette de haut en bas, je n'ai pas le temps d'avoir le temps. J'étais, je tout égare, s'il te plaît, je dors doucement. J'ai calé l'affaire, laissez-moi faire. J'ai calé l'affaire, laissez-moi faire. Comportement bas, ouais. J'ai dit comportement bas, ouais. J'suis dans mon comportement bas, ouais. J'ai dit comportement bas, ouais. Les mecs ont bombé les torses, ah ouais. J'ai dit comportement bas, ouais. Les poches remplies d'oseille, ah ouais. J'ai dit comportement bas, ouais. Il est minuit, tu
titube. Tu tiens pas comme d'habitude. Tu connais, connais ma vie. Mes mimiques et mes manies. Mais pourquoi te fâcher? Trop parler peut tuer. Mais pourquoi te fâcher? La malade t'a tué. Stop, stop, stop ton délire. Stop, 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 j'ai dit. Tous ceux qu'on ont ramé, à la fin ont gagné. J'ai calé, calé l'affaire. Laissez, laissez-moi faire. J'ai calé, calé l'affaire. Laissez, laissez-moi faire. Ouais. Comportement bah ouais. J'ai dit comportement bah ouais. J'suis dans mon comportement bah ouais. J'ai dit comportement bah ouais. Les mecs ont bombé les torses ah ouais. J'ai dit comportement bah ouais. Les fâches remplies de zéro ouais. J'ai dit comportement bah ouais. Oh non 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 non. Hey 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 hey. Ah ah. Aya Nakamura. Ta gueule, putain, t'as tout niqué là. C'est ouf. Elle a dit que je le faisais bien tout à l'heure. Non, mais t'as tout niqué. Ok, excuse-moi. Pardon. J'ai trois roulettes, je peux plus marcher. J'ai mon gamos à mes côtés. J'aime trop mon comportement. J'ai mis les problèmes de côté. Je suis en compo. Elle est morte. Elle arrive plus à se concentrer. C'est fini. Ouais, mais c'est comportement, bon, comportement, bah ouais. J'ai dit comportement, bah ouais. Je suis dans mon comportement, bah ouais. J'ai dit comportement, bah ouais. Les mecs ont bombé la torse, ah ouais. J'ai dit comportement, bah ouais. Les vaches remplies d'oseille, ah ouais. J'ai dit comportement, bah ouais. Je suis en compo, compo, ouais. Waouh! Wow. Okay, bravo, non, mais, ouais, merci! Non, mais il a voulu tuer mon live! T'as vu? En fait, je te jure, dans ma tête, ça semblait mieux. Et en fait, je te jure, je me suis dit, je suis chaud! Mais en c'est fait... bad boy, c'est pas ce comportement! Oui, bah. Pardon! Pardon, désolé, excuse-moi. Non, mais je me suis. Il voulait faire bien le con! Non, mais c'est ça le pire! C'est... J'étais chaud, j'étais bien, j'étais dans le truc, je me dis, allez, j'y vais, je m'en fous! Et je te jure, dans ma tête, je me suis dit, putain, on va faire un duo après! Tu sais, comme dans une comédie musicale, peut-être tout va s'envoler! Ouais, et puis quand c'est sorti de ma bouche, je me suis dit ah le con. Alors, j'aurais pas dû. Merci Aya Nakamura, merci pour d'avoir fait que comportement en live. On va se quitter juste avant. Dernier petit questionnaire d'une minute, c'est la tradition. S'il n'en restait qu'un, je vais te poser plein de trucs, on répond vite. D'accord. S'il n'en restait qu'un, à chaque fois, écoute bien. S'il ne restait qu'un featuring de toi que t'as fait, s'il doit en rester qu'un seul. John P. Allez, John P. Eh ben écoute, cool. S'il ne restait qu'un dessin animé d'enfance. Les malheurs de Sophie. Ouais. Si. Pardon. Ouais, trop gay, j'adore. S'il ne restait qu'un son dans ton album. Wow. Fuego. Avec Jaju. S'il ne restait plus qu'un concert de ta vie. Moi, j'en ai jamais fait. Ouais, il y a le Mali quand même. Ouais, ah si, le Mali, ouais. Bah, le Mali. Excuse-moi. S'il ne restait qu'un message de fan qui t'a touché. Un message un jour de fan, voilà, le premier auquel tu penses, là, il est là, ce petit message. Je sais pas, un truc que t'as reçu, une fan, un fan. Un message que j'ai reçu il y a 6 mois, d'une fan qui s'appelle Leïla. Et bah voilà, et bah on l'embrasse. Ouais, gros bisous. S'il ne restait qu'un son d'un autre artiste à écouter. C'est dur, hein. Très compliqué, ça. Le son que tu kiffes, le premier qui vient. Je kiffe. Ah, mais j'en ai pas, j'écoute que moi. c'est bien. Et bah, tu dis celui de John P avec moi. Ouais, voilà, comme voilà, ça, ça marche. Moi, c'est bon. Un dernier voyage à faire. Ça serait le dernier. Ouais. Je sais pas, j'irais. Je sais pas, peut-être. Je sais pas, je me dirais à Las Vegas. Comme ça. Bisous la famille au Mali. Aya Nakamura était avec nous. Et on se quitte avec Fuego. Ce son-là, je vous le dis, sans déconner. C'est le Fuego. Non mais c'est Fuego, ouais, de c'est ouf. C'est Fuego. Ça parle un peu friendzone quand même. Ouais, les gars, ils se cherchent. On se cherche. C'est vrai, ça se cherche. Si t'as un conseil pour sortir de la friendzone, moi je suis en friendzone depuis 8 ans avec Salma, donne-moi des trucs. Faut lâcher après. L'affaire au bout d'un moment. Merci, et ben ça fait plaisir. Merci, Aya Nakamura. Merci d'avoir été avec nous, merci d'avoir passé dans Snap & Mix. Tout ça retrouvé sur move.fr. L'album Journal Intime est dispo partout. Allez le choper très vite, très très vite pour écouter les 19 titres qui y sont. Tu reviendras quand même. Ouais, bien sûr, bon, avec merci. Plaisir. Avec grand plaisir. Merci, plein de bonnes choses pour la suite. Salut. Plein d'encouragement. Salut Aya. Salut. Vous écoutez Move. 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 Move.